Assalamu alaikum, hello, bonjour, buenos dias. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très belle journée ou une très belle soirée. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche en bas, comme ça vous ne loupez pas mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que voilà, ça me fait plaisir de partager avec vous tout ça. Donc voilà, je viens de rentrer. J'étais en fait dans un centre, dans le centre Agora. Donc il y avait des distributions de colis alimentaires pour tous les étudiants en France. Donc pour tous les étudiants, que ce soit les étudiants internationaux résidents en France ou que ce soit les étudiants français. Donc il y avait des distributions de petits colis alimentaires. Cette distribution a été organisée par nombreuses associations, notamment l'association Élan Cœur et également les Restos du Cœur. Ça fait vraiment plaisir de trouver de telles actions. Du coup, je voulais partager ça avec vous. J'ai reçu cette information de la part du gestionnaire de la résidence qui nous a envoyé dernièrement cette semaine un mail comme quoi il y a des distributions de colis alimentaires pour tous les étudiants. Je n'ai pas hésité à me déplacer là-bas pour recevoir ces aides parce que vous savez, cette situation actuelle, elle est difficile pour tout le monde, pour tous les étudiants, que ce soit étudiants français, étudiants internationaux résidents en France. Donc elle est vraiment difficile pour tout le monde. Je vais vous montrer le colis. Donc je vais vous montrer tout. Donc c'est des produits. Donc le pain de mie. Et après, donc ça c'est je crois des... Donc voilà, c'est des cakes. Et là, c'est des purées de tomates. Donc purée de tomates fraîches. C'est pour les pâtes et tout. Donc 3. Et là, bon, c'est mes préférés, les coquillettes. Deux sachets de coquillettes. Je vais vous montrer le deuxième. Et là, c'est le riz. Là, c'est le riz. Et après, un grand sachet de lait. Voilà. Et après, il y a un autre sachet de coquillettes. Donc, franchement, je sais que ça peut paraître peu pour certaines personnes. Mais je vous l'ai dit, c'est pas du tout petit. Donc, toute aide qui peut, voilà, qui peut être vraiment réservée à tous les étudiants en France actuellement dans cette situation difficile, elle est vraiment grande. Donc franchement, avec cette vidéo, je veux remercier toutes les associations qui contribuent vraiment à l'organisation de ces actions humanitaires qui aident et soutiennent les étudiants dans cette situation actuelle causée par la pandémie. C'est vraiment excellent ce que vous faites. Je sais que ma situation est, alhamdoulilah, moins pénible que beaucoup d'autres étudiants qui trouvent déjà des problèmes de trouver un petit job étudiant, un petit loyer et tout. C'est excellent ce que vous faites, c'est excellent ce que vous organisez. Merci à l'association Élan Cœur, au Resto du Cœur, à tous les gens qui travaillent derrière toutes ces actions-là. Et franchement, c'est excellent. Et message à tous les étudiants qui sont new en France. Donc, n'hésitez pas de chercher les aides alimentaires, des informations sur les distributions, les points de distribution des aides alimentaires. Donc, déjà, je vais vous laisser un site web en bas dans le descriptif dans lequel vous pouvez trouver une plateforme réservée à tous les points dans lesquels vous pouvez trouver, selon votre localisation, tous les points de distribution des aides réservées aux étudiants en France, que ce soit les étudiants internationaux
ou les étudiants français. Je vous laisserai également des liens vers des applications donc qui peuvent voilà qui peuvent vous aider en tant qu'étudiant. Donc il y a de nombreuses applications. Je vais vous laisser les liens pour les pouvoir les télécharger et tout. Donc n'hésitez pas voilà d'y accéder. Donc également il y a il y a beaucoup de supermarchés qui organisent des colis moins chers réservés aux étudiants donc et étudiantes. Donc n'hésitez pas de checker tous les aides possibles parce que vraiment il y a des aides, il y a des aides en France, il faut juste bien chercher. Il faut juste bien chercher. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir de partager avec vous ça, tout ça. Et surtout, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui contribuent et qui pensent aux étudiants et qui contribuent en quelque sorte à la réussite de ces actions humanitaires qui vraiment qui soutiennent les étudiants dans cette période très très difficile. Donc merci à eux. Je vous laisse tous les liens vraiment qui peuvent vous intéresser concernant les aides alimentaires et les colis alimentaires pour les étudiants. Donc n'hésitez pas également de checker le site web que je vais vous laisser dans lequel vous pouvez trouver tous les points de distribution des colis alimentaires, vêtements, etc. Donc n'hésitez pas. Qu'Allah, que le bon Dieu vous aide dans tout ce que vous faites et bon courage. N'hésitez pas de partager cette information. Donc l'information sur la distribution de ces colis m'a été partagée et je tiens cette vidéo de partager cette information avec vous. Donc s'il vous plaît, ne la laissez pas chez vous, mais s'il vous plaît, partagez ça avec tous les étudiants que vous connaissez et qui résident en France et qui ont besoin de l'aide. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Ils ont besoin de nous et comme moi j'ai besoin de l'autrui, l'autrui également a besoin de moi. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ayez en vous cet esprit de partage, parce que c'est avec le partage qu'on est heureux et qu'on reçoit tout le bonheur du monde. Donc n'hésitez pas, bisous bisous et adios. Je vous retrouve dans mes prochaines vidéos. Également n'oubliez pas, donc un live est organisé chaque samedi soir à partir de 20h. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche en bas. Comme ça, vous ne loupez pas mes prochaines vidéos. Bisous bisous. Assalamu alaikum.